quand on parle pour la première fois du biomimétisme comme étant quelque chose qui peut contribuer à un développement économique local, effectivement, l'attention est éveillée. S'inspirer du vivant pour des techniques innovantes, c'est vrai qu'on se dit qu'au début du XXIe siècle, c'est sans doute une voie prometteuse et porteuse de beaucoup de perspectives. Une des préoccupations du ministère qui a été évidemment, qui s'inscrit dans le cadre des restructurations indispensables, à la fois pour réorganiser l'outil militaire et puis pour aussi réduire des impacts budgétaires, l'idée principale c'était d'une part d'éviter de laisser derrière soi une friche, un terrain militaire abandonné, et d'autre part de participer à la reconversion économique du site. Ces contrats ont concerné 58 sites en France. Et pour certains, ça va aboutir à une véritable mutation économique du territoire. Ça peut être que le développement du tourisme vert, la création d'un EHPAD, chacun dans son coin, je veux dire, adapté à la spécificité locale, doit contribuer à ça. Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est qu'au départ, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis ensuite, quand on l'approfondit, on se rend compte que, d'abord, c'est très innovant, c'est parce que ça n'existe pas du tout en Europe. Les États-Unis pratiquent cette activité depuis quelques années. Donc, si pour une fois, on peut aussi être en avant-garde côté européen sur ça, sur quelque chose, autant l'être. Et ensuite, on se rend compte, plus on avance dans le détail du projet, que l'environnement s'y prête tout à fait. Le quartier ordinaire peut tout à fait devenir effectivement un campus pour les étudiants et les chercheurs. Les responsables de PME, start-up et des chefs d'entreprise plus confirmés, il y a un véritable lieu d'échange. Il y a donc cette conjonction entre l'idée originale, le lieu, la logistique. Et donc, ça rend tout à fait réaliste quelque chose qui pouvait paraître utopique au départ. Il y a des BTS techniques, il y a l'université de Compiègne qui n'est pas loin. Donc, il y a là une espèce de vivier, de creuset dans lequel le projet de biomimétisme peut tout à fait se développer. L'aspect le plus marquant sur l'expérience Senlis, c'est l'enthousiasme un peu qui a justifié que on s'intéresse à un projet très innovant, qui aurait pu être trop innovant, mais en se rendant compte qu'il était réaliste et que d'autre part, il y avait sur place toute une série d'acteurs qui étaient prêts à travailler ensemble, ça rendait les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles. Et je crois qu'au moment de la signature du contrat, je me souviens avoir dit que c'était effectivement presque à inscrire dans le Guinness Book des records, tellement la durée avait été courte entre la définition du projet et la signature du contrat. Donc, personnellement, j'y crois, si je peux donner mon sentiment personnel, parce que quand on m'a expliqué en quoi consistait le biomimétisme, je me suis rendu compte des perspectives vraiment très, très larges. Et je dirais insoupçonnées du grand public que ça recouvre. C'est cette réalité-là qui peut voir le jour à Senlis, et je suis ravi de la perspective que le ministère de la Défense ait pu y contribuer, que le quartier ordinaire, historique, puisse participer à l'histoire du futur, si on peut dire.